maraîchage sol vivant, donc on va accueillir Angélique Duchemin, Vincent Levavasseur et Aurélien Ferco qui vont nous présenter ce réseau qui existe depuis 2012. C'est un mouvement de fond qui est, on va dire, partout en France, de maraîchers qui ont décidé d'arrêter de travailler les sols et d'échanger leurs pratiques pour progresser ensemble. On dit que c'est le réseau des paysans chercheurs. Voilà, connu aussi pour la chaîne YouTube, c'est comme ça aussi que vous vous êtes fait connaître, mais vous allez nous en dire deux mots, sur le YouTube de Maraîchage Sol Vivant. Donc on a Angélique Duchemin, animatrice de Maraîchage Sol Vivant Normandie, Vincent Levavasseur, président de Maraîchage Sol Vivant Normandie, et Aurélien Ferco, Maraîchage Sol Vivant National, tu es installé en Bretagne. Voilà. Je vous laisse vous présenter et puis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup, Louis. Bonjour à tous. Bonjour à tous aussi ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Donc, comme Louis l'a dit, je suis Angélique, animatrice du réseau MSV Normandie-Île-de-France depuis 2017. Donc, MSV, maraîchage sol vivant. C'est toute une histoire, c'est une volonté de paysans-chercheurs qui ont voulu mettre en place des techniques autour de la filière maraîchère pour arrêter le travail du sol et pour préserver le sol. Donc les premières rencontres du réseau ont eu lieu en 2012 dans le sud à Auch et la création de l'association s'est faite en 2015. Nous avons des objectifs importants, produire des légumes, ce qu'on appelle vivants. Nous voulons avancer vers la qualité vraiment des légumes, réussir à mesurer la qualité nutritionnelle des légumes. C'est un sujet que nous allons aborder samedi, il me semble, grâce à des conférences. Donc maximiser aussi l'activité biologique des sols, lutter contre l'érosion, et aussi préserver les fermes et pouvoir avoir des fermes qui sont viables économiquement, socialement. Voilà, c'est nos objectifs vraiment principaux. Donc voilà, pas ou peu de travail du sol. Vraiment, c'est l'objectif premier, arrêter le travail du sol ou au moins le réduire au maximum. Couverture du sol aussi. Alors, soit de manière avec des couvertures du sol, avec des apports de matière organique morte ou des couvertures du sol de matière vivante. Donc nous, on n'avait pas compris le 4 pour 1000, on avait plutôt compris le 4%. Alors on part plutôt d'amendements carbonés plutôt qu'une fertilisation par engrais azoté. Donc apporter au moins sur un sol qui est déjà construit au moins 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, pour au moins maintenir la fertilité d'un sol de prairie. Mais voilà, les maraîchers aussi qui sont ici vont pouvoir en dire deux mots après. Donc les actions du réseau, c'est l'organisation de visites de fermes, de formations donc sur l'agronomie, sur les itinéraires techniques qui sont déployés dans les fermes, sur aussi d'autres thématiques, hein, le redox, les mycorhizes, beaucoup, beaucoup de thématiques qu'on aborde. C'est aussi une volonté de transmettre toutes ces connaissances, de capitaliser toutes ces connaissances. Donc c'est pour ça qu'on a créé dès 2012-2013 la chaîne YouTube MSV. Donc 10 000 abonnés, on talonne un peu vers de telles productions pour le moment. Au moins 250 vidéos, je n'ai pas refait tout le décompte, mais on est au moins à ça. Des listes de discussion aussi nationales, voilà, c'est presque 700 membres. Normandie, on est à 200 membres. Et puis des listes aussi au niveau des groupes locaux, puisque donc nous, en Normandie, on est association indépendante au niveau du réseau national. Et puis, il y a aussi des groupes locaux au niveau Grand Est, Grand Ouest. Il y a des maraîchers de ces réseaux-là qui sont présents pendant le colloque. Sud-Ouest, voilà, Rhône-Alpes. Notre belle carte nationale. À l'heure actuelle, 150 fermes répertoriées. J'imagine qu'il en manque encore. Donc en France et en Belgique.
Là, c'est notre carte normande. Alors, elle a déjà au moins deux mois, donc il manque encore des personnes. Donc notre réseau, c'est environ 30 maraîchers installés. On a répertorié une vingtaine de porteurs de projets. D'autres personnes qui sont en essai, qui sont en période d'essai de transiter vers un arrêt du travail du sol. Et puis, on essaye aussi d'être en partenariat aussi avec les pays limitrophes, l'Eure-et-Loire, la Mayenne, d'être aussi en lien avec l'Île-de-France, avec différents partenariats. Et donc, voilà, au niveau de la Normandie, on s'est créé donc après un cycle de formation qui se passe en Normandie. Donc, l'association s'est créée en 2016. Et nous avons été reconnus groupe Défi Ferme, Ecophyto, on a été labellisé GI2E, donc groupement d'intérêt économique et environnemental, qui est un des projets de Stéphane Le Foll, qui nous a vraiment beaucoup servi pour se structurer, pour avoir des moyens, pour pouvoir suivre tout ce qui se passe sur les fermes et animer ce beau réseau. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Vincent Levavasseur. Aurélien Ferco, donc maraîcher en Bretagne, qui va nous présenter des itinéraires techniques et ce qu'il a pu mettre en place sur sa ferme. Merci beaucoup. Bonjour, Aurélien Ferco, donc je suis maraîcher dans le centre Finistère. Je vous présente rapidement ma structure, donc installée en 2011 en bio depuis le début, avec une trentaine d'hectares. Et donc 10 hectares de pommes de terre, surtout du plan, et une quinzaine d'hectares en production légumière pour BioBraise et en direct pour les Biocop. Donc c'est pour vous donner un petit peu un aperçu. Donc je démarre par ceci, c'est que pas de maraîchage sur sol vivant sans sol vivant. Ça paraît bête, mais si on peut essayer toutes les expériences qu'on peut, mettre pas mal de couverts et des choses comme ça, en légumes, c'est des plantes quand même très gourmandes, très exigeantes. Si on ne fait pas des apports importants, au début, on va mettre plus de temps. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, mais en légumes, on a la chance d'avoir une valeur ajoutée correcte qui permet de financer des remises en vie des sols. Et donc là, c'est pour vous montrer une petite remorque de compost. Voilà. C'est un entrepreneur, une société qui épand du compost et qui fait le compost. Donc c'est du compost, mais c'est du broyat de plateforme parce que c'est la matière que j'ai la moins chère à disposition à côté de chez moi. Et le but est vraiment de recréer de la porosité artificielle avec ces BRF là, avec ce broyat, et de ramener de l'énergie, donc du carbone dans les sols. Et pour démarrer, en fait, pour redémarrer mes parcelles en MSV, j'utilise la culture de la carotte. Alors, j'avais pas beaucoup de photos sous la main, je prends pas l'habitude de prendre beaucoup de photos, donc vous m'excuserez. Et donc, ma méthode, donc je me suis inspiré de la méthode du jardinage sur sol vivant de Dominique Soltner. Avec des apports de compost qui permet en fait d'utiliser de pas avoir changé le parc de matériel. C'est assez simple parce que avec un semoir classique, bon, avec quelques modifs, mais ça rentre dedans et les planteuses rentrent dedans. Il n'y a pas de modification à faire majeure au niveau du machinisme. Et donc j'apporte des volumes conséquents. Vous voyez bien les chiffres. En deux fois, donc une partie qui est pour intégrer, créer cette porosité, et la partie, en fait, je fais un premier apport de 200 mètres cubes et un second apport de 500 mètres cubes justement pour avoir un lit de semences et qu'il n'y ait pas d'herbe, gérer l'enherbement sur la carotte, qui est une culture très lente à germer, très lente à pousser. Et donc ça permet une bonne maîtrise de l'enherbement. Donc ça me laisse plus qu'une cinquantaine d'heures quand même de désherbage manuel à l'hectare, ce qui est, dans les moyennes, c'est plutôt 150 heures, 200 heures en bio. Avec des rendements moyens de 60 tonnes hectare, donc qui sont plutôt des bons rendements, quoi. Et par contre, je mets un bémol à cette pratique-là, c'est attention à l'eau, parce que si on n'a pas d'eau au démarrage,
La graine ne pousse pas. Bah, l'année dernière, moi, j'ai eu un raté sur mon irrigation. Et pourtant, je suis en Bretagne, hein, ça peut faire rire, mais s'il n'y a pas 2-3 semaines, semaines d'eau régulière pendant la germination, ça, on peut vite perdre une culture ou refaire des semis et du coup perdre du temps sur les mauvais arbres. Alors, une autre chose, c'est juste que l'utilisation du compost, si vous avez des vivaces, c'est compliqué. Donc faites attention à la gestion de vos vivaces auparavant. Et on a d'autres méthodes pour ça, notamment les bâchages de prairies, des bâchages de prairies ou de cultures pour occulter ces vivaces. Une autre méthode qui est plutôt sous-abri, alors je plante souvent les salades derrière tomates ou derrière solanacées. L'intérêt, c'est que ma bâche, mes tomates ou mes solanacées sont sur bâche pour des soucis de réchauffement rapide dans la serre, parce que je n'ai pas beaucoup de luminosité chez moi. Et par contre, ça me permet de faire une sorte de faux semis pendant 6 mois. Et après, je peux planter, même sur les allées, les passages de tracteurs, les passages... Comme on a des sols qui sont vivants, qui reprennent après les piétinements réguliers ou les passages de tracteurs, au bout d'un mois ou deux, l'ornière disparaît et remonte. Et du coup, je me permets de planter sur toute la surface. Enfin, surtout les surfaces, quitte à passer après, sacrifier une ligne à la première récolte pour passer. Quoi. Enfin, voilà, c'est un petit exemple. Mais ça permet d'optimiser l'espace. Alors, la photo n'est pas super parlante pour ça, mais c'est quand même, ça permet vraiment d'optimiser l'espace. Et donc, juste sur les perspectives, c'est que je travaille depuis le début, notamment avec l'atelier paysan, sur des développements d'outils en semis sous couvert. Donc on avance, c'est pas simple auto-construction, parce que le semis direct, c'est quand même des outils très précis. Donc détruire l'engrais vert, on sait faire, réimplanter, c'est ce qui est compliqué. Et mon gros axe de travail aujourd'hui, c'est travailler avec les matériaux géochanvre, qui sont une base de chanvre, enfin c'est une sorte de tissage de chanvre, et qui permet donc d'avoir une occultation des engrais verts par exemple auparavant, ou d'empêcher une levée de mauvaises herbes. Donc voilà, ça c'est mon gros axe de travail aujourd'hui, et notamment à développer des itinéraires techniques sur pommes de terre, donc pour ne pas avoir à travailler les sols en pommes de terre, sur carottes, épinards mesclins, l'idée c'est de semer sur le géochanvre, pardon, et de remettre une petite couche de compost pour maintenir l'humidité. Et afin de maîtriser complètement l'enherbement et pouvoir aller sur des systèmes prairies ou sur des systèmes d'engrais verts. Donc voilà, je laisse la place à Vincent. Merci. Donc, bonjour à tous, donc, je suis maraîcher en Normandie sur une surface d'un peu moins d'1 hectare. Maintenant je suis à 6000 m2 là en plein champ, bientôt 1 hectare. Je suis assez représentatif de ce qui se fait en termes d'installation en Normandie. J'étais une des premières fermes à m'installer directement sur prairie, sans aucun travail du sol, entre le moment où il y avait la prairie et le moment où il y avait les légumes. Et pour faire cette transition, on utilise un outil sur petite surface qui va très bien, qui est la bâche. Donc bâche tissée ou bâche d'ensilage, les deux fonctionnent pareillement, quoi. Donc autour de cette avec cet outil là on peut faire à peu près dès la première année aussi. Donc ça c'est une chose qu'on a découvert en cours de route, c'est que la plantation sur prairie peut se faire quasiment immédiatement, un mois, deux mois après l'occultation, on peut déjà mettre une courge, une tomate si on est dans des endroits chauffés, s'il est dans des régions chaudes ou sous serre en Normandie, et on a très rapidement
un résultat qui ressemble à ça, c'est-à-dire, là c'est une photo de cette année, on a 80 tonnes de courges qui sont produites par hectare, donc vraiment des très beaux résultats sur la prairie. Je vais poursuivre en présentant quelques itinéraires, un peu de recherche pour ouvrir des portes, pour montrer qu'on peut aussi approcher la culture légumière différemment. Alors, je vais vous parler de pommes de terre sur petite surface, où l'itinéraire technique a été extrêmement simplifié. Les pommes de terre qui sont à la récolte, récoltées à la main, qui sont abîmées, qui sont peut-être un peu vertes parce qu'il y a un peu de verdissement à cause du paillage, la lumière peut traverser. Les pommes de terre sont laissées sur place. Et l'année prochaine, c'est ce qui fait le plan. Le plan est déjà en place pour l'année prochaine et donc on fait pommes de terre sur pommes de terre au même endroit, en recouvrant de fumier de cheval, où on peut utiliser aussi des bâches. Et donc, on a des résultats assez intéressants en maraîchage bio, avec des rendements de 4 kg par mètre carré, avec une problématique de campagnole qui est généralisée un peu à toutes les cultures. Le campagnole peut faire des dégâts. Ce qu'on constate, c'est que sur la betterave, sur le pomme de terre, sur le céleri, sur le poireau, les dégâts sont de l'ordre de 10%, quoi. Donc c'est pas dramatique. Parfois ça pose souci sur des implantations de, par exemple de salade où la racine est rapidement mangée, ce qui empêche le développement précoce. Mais en fin de culture, les dégâts sont quand même contrôlables. Donc ça c'est un petit point d'attention. Donc ce qui est assez intéressant de retenir dans cet itinéraire, c'est la simplicité d'intervention. On ne fait que pailler année après année et récolter à la main. Donc on est en train de réfléchir à quels sont les outils qui pourraient permettre de récolter ça aussi de manière mécanisée. Ça va être un chantier assez important pour les années à venir. Vincent, des problèmes de taupins sur les pommes de terre ? Alors, on me parle, c'est vrai que la question des taupins revient toujours. On m'avait dit, bon, c'est pas la peine de s'installer sur prairie, tout sera ravagé par le taupin. Je n'ai vu absolument aucun problème de taupin. Le taupin est un problème de. Intervient quand il y a eu un excès de matière organique en fermentation qui en excès, le taupin se développe à ces moments-là. Et en fait, quand on ne retourne pas la prairie, on n'a pas ces excès de matière organique qui commencent à fermenter en anaérobie, et donc on n'a pas de problème de taupin. Un autre itinéraire, une autre pratique assez innovante là, qu'on essaye de mettre en place sur la ferme, donc c'est la non-taille des tomates. Ça demande pas mal de technicité. L'idée, c'est d'accompagner le végétal dans sa croissance verticale en la tutorant, en faisant des cercles autour du plant au fur et à mesure qu'il monte, et ça fait des piliers de tomates. Donc là, c'est une photo mi-septembre, où il y a relativement peu de problèmes de maladies, parce que la plante est très saine, pas attaquée. Donc c'est un peu une suite et une analogie de ce qui a été présenté hier par Marceau Bourdarias sur les ligneux. Donc le sol vivant nous permet d'envisager de nouvelles pratiques agricoles dans la conduite au quotidien des légumes. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Dernier point, donc là c'est vraiment en partenariat, c'est un travail de réseau. Donc Angélique vous montre là le travail qu'on a fait et qui est disponible là, dans notre stand là, à côté. Ce travail, vraiment une volonté du réseau maraîchage sol vivant de collecter des données agronomiques, techniques,
et aussi social, c'est-à-dire le temps de travail, le nombre de journées que l'agriculteur peut se dégager pour visiter d'autres fermes, pour aller voir autre chose. Donc on a sur ce travail les particularités, donc c'est de faire vraiment un inventaire global qui va augmenter, enrichi d'année en année avec les chiffres économiques qui évoluent. Donc là c'est un petit zoom sur la partie agronomique, et la particularité c'était que c'est un travail qui a été choisi par les membres du réseau, qui est en perpétuelle évolution. C'est vrai que y a, par exemple, les données agronomiques à mesurer, il y a certaines données qui peuvent demander beaucoup de temps. On pense par exemple au comptage de vers de terre, cher à Marcel, ça prend beaucoup de temps. Nous, on a peu de moyens, on est en réseau avec seulement des maraîchers disponibles, une animatrice réseau, Angélique. Donc on essaye de toujours se poser la question, quel est le meilleur indicateur de nos systèmes, d'un point de vue agronomique d'une part, mais aussi d'un point de vue technique. Et donc on réfléchit en permanence à trouver les bons indicateurs aussi sur la qualité nutritive, c'est un sujet qu'on va mettre en place, qui nous permettent de donner une image assez fidèle à tous les gens qui sont intéressés par cette dynamique. Donc on voit beaucoup de porteurs de projets. Par exemple, en Normandie, quand on discute avec les chambres d'agriculture, 90% des jeunes installés veulent s'installer en maraîchage sol vivant, donc il y a une grosse dynamique. Et puis, l'idée, c'est de faire vraiment un suivi dans le temps long pour pouvoir avoir des premiers repères dans le temps long sur comment évoluent les fermes en maraîchage sol vivant, quelle est la dynamique à tous les niveaux. Et donc, ce travail, on a vraiment envie de le poursuivre. On sait qu'on en a besoin aussi dans toutes les autres filières, au niveau grande culture, au niveau arboriculture. Et je voulais aussi terminer sur l'importance de faire des liens entre les différentes filières agricoles. On a beaucoup appris de ce qui se faisait en grande culture pour développer nos systèmes. On fait des liens, par exemple, avec les travaux de Marceau Bourdarias sur l'arboriculture. On voit qu'on peut faire énormément de liens et que c'est très enrichissant entre différentes agricultures d'échanger pour pouvoir poursuivre le travail d'innovation nécessaire à l'élaboration de nouvelles pratiques. Je vous remercie.